Le Japon est de nouveau balayé par un puissant typhon. Fanfan est le 18e de la saison dans l'archipel. Des pluies torrentielles se sont notamment abattues dans la région de Shizuoka, dans le centre du pays, accompagnées de rafales de vent allant jusqu'à 180 km/h. Près de 2 millions de personnes avaient reçu l'ordre d'évacuer. À Tokyo, la capitale nippone a vécu quelques heures au ralenti avec ces intempéries qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain. Le dernier bilan fait état d'au moins 6 morts et disparus, dont 3 militaires américains emportés par une mer déchaînée. On était également sans nouvelles d'un jeune surfeur. Une vingtaine de personnes ont aussi été blessées. Les transports ont été très perturbés, on ne comptait plus les retards et les annulations dans les airs et dans les gares. Et Fanfan poursuit sa route, le cyclone tropical a pris la direction du nord-est du pays.